Bonsoir. Bon, on va vous parler un peu du match éliminatoire qui va compter pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. La France a fait match nul contre Luxembourg. La France a vraiment deux visages. Je ne comprends pas cette équipe. Contre une grande équipe telle que le Pays-Bas, ils nous mettent 4 buts. Mais... voilà, ils nous sortent un grand match. Et contre le Luxembourg, ils nous sortent un grand match aussi. Mais c'est le Luxembourg quand même. Il faut respecter les joueurs, effectivement. Mais vous les avez trop respectés, les gars. Moi, j'ai pas compris ce match. Contre le Pays-Bas, vous nous sortez des grands matchs. Hein, une équipe monumentale, ça joue. Lemar met un but, Mbappé met un but, Griezmann met un but. J'avais l'impression de voir des joueurs différents. Bon, ils ont poussé. Vous tenez la possession à 75%. Et les autres, c'était 25%. Mais les autres vous ont plus fait trembler que vous les avez fait trembler. Parce que Rodriguez, quand il prenait la balle, quand il mangeait de l'autre côté, justement, comment s'appelle le Consigny, mais laisse tomber. Au moins, ils ont pratiqué. Ils n'avaient rien à perdre. Ils avaient tout à gagner. Mais vous, il vous manquait juste 3 points. Vous n'êtes pas parti les chercher. Moi, ça m'a tristé. Ça m'a énervé. Je regardais le match avec mes frérots. J'étais énervé. Je dis quoi? Quand est-ce qu'ils vont mettre le but, la France, là? Mais le gardien, il était là. Les joueurs, franchement, ils ont joué à un devant. Ils ont mis les camions derrière. Et personne ne bougeait. 0-0. Franchement, ça m'a tristé. Mais en tout cas, j'espère que pour le prochain match, on va se qualifier pour la Coupe du Monde. Voilà, donc vive la France. Et comme moi aussi je suis ivoirien, j'espère que le prochain match contre le Maroc, la Côte d'Ivoire va passer. Donc vive la Côte d'Ivoire, vive la France, et on s'envole pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. C'était Tonton Marcel, voilà, pour vous parler du match tout simplement de France-Luxembourg 0-0. On était triste, mais c'est que sûr, c'est pas fini, c'est que le début. Donc allez, à bientôt. Ciao. Franchement, la France aurait pu mieux faire contre le Luxembourg. Le Pays-Bas, une fois un grand match de Luxembourg, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils nous font. Bon, comme dirait mon ami Mohamed Henni, vos grand-mères de footballeur. Allez, ciao.